Et yo tout le monde, c'est Tiob, je suis ravi de retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Crusader Kings 3 dans lequel nous jouons Tiob, l'empereur de France. J'ai hésité. Je sais pas pourquoi j'ai hésité. Je viens de me rendre compte d'un petit truc pas très génial là, juste avant de reprendre l'épisode. C'est que mon héritier, cet incapable, a refait un gosse. Bien sûr, un garçon. Le prince Élie de Sicile. Et là, je vais devoir le faire assassiner parce que sinon, mes titres risquent de partir très loin à la mort de mon fils. Parce que il va très certainement mourir vite, lui. Donc, complot d'assassinat. Pas déconner. Je veux qu'un seul héritier. En plus, mon héritier actuel, enfin, on va dire l'héritier que je prépare, est sous ma tutelle, il a déjà fait des pèlerinages, etc. Donc bon. Je vais tout faire pour que ça se fasse bien. Voyons voir. Est-ce que je peux repartir en petit pèlerinage à Rome par hasard? On va les enchaîner les pèlerinages. Hein. J'en ai rien à foutre. Je veux que ma jambe repousse. Je veux que tous mes membres repoussent. Voilà. Voilà. Ou si je regarde le voyage. Vite dans la suite. Le pèlerinage des voleurs. L'enfant aura besoin de plus de conseils. Ok. Et là, j'ai pas pris mon... Religion propagée. Ok. J'ai pas ma pupille. Ah si, il est là. Prince Amaury de Sicile. N'empêche, je suis unijambiste, mais j'avance toujours. Une jambe et autre chose en même temps. Bref, je peux toujours pas me séparer d'elle. Ça, c'est terrible. Ah merde, attends, en plus, attends quoi? Attends, qui c'est qui? Non, ça. Oui, on va. Oh, il a de la prouesse, lui. Je t'aurais bien recruté, mais apparemment, c'est pas possible. Direction le Vatican. Avec le jeune pape Lucius 3 là. On peut prendre des pupilles. Ouah! 37 d'érudition! Ah, vache. C'est quoi ça? Lunatique. Oula. Le comte d'Ago. C'est toi qui veux te barrer. Ouais, c'est ça, casse-toi. T'as rien. T'as les stats nulles, t'es lunatique. Dégage. Un peu violent, non?
C'est bien, ça m'augmente l'acceptation. Poésie raffinée. Réduction, du coup, de l'établissement de la tradition de la poésie raffinée. Ça me parle, ça. Attends, c'est quoi déjà, ce truc-là? C'est où? Non, alors, je vais pas créer de foi. Oui, viens là. Ouais. Attends, j'ai un truc, mais... c'est où c'est là? Ajouter des lois. Je peux rien faire. Zut, c'est où? C'est l'empereur et je veux une pizza. Alors, comment te dire que si tu tombes malade, c'est pas bon? Non. Je suis arrivé à Rome. Il y a un truc, 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 il y a un truc. Zut, j'ai oublié comment faire. Ah, je pouvais vassaliser un duc. Il est où lui? Oh. Refus 0. Ah ouais, mais c'est un sacré duché, hein, mine de rien. Je vais le proposer même avec obligation féodale basse. En vrai, quand je vois la taille du machin... Oh non, il a cassé juste avant. Alors ça c'est pas... Ah non, non, ça c'est... Je suis pas d'accord. Oh regardez, il a perdu des terres juste avant que je le vassalise. Non, 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 non. Ouais, donne-moi ça. C'est dégueulasse. Il a perdu master. Tu m'étonnes qu'il accepte. Attends, mais... Ah, regarde, c'est plus que ça, c'est pourri. Pff. Ouais. Déjà tu te reconvertis, j'en ai rien à foutre. Bon. Faisons de la vassalité. Je suis dévasté. Bon. Heureusement, j'arrive à retrouver des petites terres de ci de là. La durabilité augmente de 10. En ligne de maison. Non, mais tu veux pas augmenter mon... Tu veux pas augmenter ma santé ou me faire repousser des membres plutôt? Ok, c'est peut-être un travail difficile, mais bon. Créer le royaume de Norvège. Un bon ami. Toujours content d'avoir un ami. Vous voulez créer le royaume de Norvège, donc je disais. Créer. Ok, j'ai récupéré des terres là. C'est pas un duché là. Vassaliser. Ouais, stationner hein. J'ai des troupes qui sont pas stationnées. Ah, remplacer, merde. Ouais, bah voilà. Alors, je disais... Ah oui, celui je le vassalise déjà. Au-delà des limites de vassaux. Ah! Ça vient, ça vient.
Adultère. J'ai trop de vassaux. Je vais créer le nouveau, ouais, je vais créer des royaumes et je vais dispatcher un peu tout le monde là. Duché, duché. Là, il n'y a pas de duché là. Ah, c'est lui. Ça va lui revenir, toi. Je vais te filer le royaume de. De Norvège. J'ai encore trop de vassaux. J'ai... Non, c'est bon. J'ai combien de vassaux là? 58. Oh la vache. Ça fait beaucoup. Hein. Hop, oui, on va transférer. Bon, c'est bien. On avance dans notre conquête des pays nordiques. Eux, ils voudront jamais. Passage à tabac. Timide. Paranoïa, coulache. Ah merde. Ah, c'est pas bon, timide. Moins de diplomatie. Il gagne du stress. Si, y'a que ça, franchement, devient paranoïaque, hein, m'en fous. Il était blessé en plus. Non, non c'est bon. J'en ai déjà un. Je suis déjà venu en plus, je connais un peu les environs. Vous pouvez vassaliser un autre prince. Allez, c'est parti. Alors par contre, là, je sais pas où il est le nouveau prince. Ok. Bon, je vais toujours pas faire pousser de membres. Ça veut pas. Quelle idée. Tranche ça quand même. Ok, j'ai vassalisé ça. Ah oui, oui, je me souviens. Alors par contre... C'est bon, il a ma foi. Oui, lors d'une dîner, matin, ça s'appelle... Prends mon petit déjeuner, monseigneur, c'est une soirée aussi luxueuse qu'hier, un coup. Bah fallait me prévenir avant. Duc de Toscane. Rien à foutre. Ouais, exemption religieuse. Et on va créer un saint local et on va être content. Sauf si, attendez. Je vais essayer de proposer une tutelle. Ah, ils veulent pas. Ça aurait été trop beau. Attends, c'est à... Non, je croyais que c'était à nous, mais non. Vassal fait prisonnier, rien à foutre. Oh la vache. Oh la chie, pour quelle raison? Un conquis, pour un comté, je veux dire. Mon petit-fils, Romain, le duc de. Votre vassal et chevalier. Arrête. Là, il cherche des. Hein. De la revendication de votre chef de foi.
Et duché. Les zones défensives, niveau de fortification, plus 1 taille de garnison, plus 20%. Ouh! Qui permet des trêves à acheter de manière préventive. Ah, non, ça m'intéresse pas. Bon, enfin, ça peut toujours servir, mais bon. Bon, je suis le retour de mon énième pèlerinage. Je crois que je suis un expert en pèlerinage. Petite Ellie. Désolé, le petit Ellie. Ouais. Ouais, pas fou la nourrice, hein. Tout ça à la faute de la nourrice. Bon. Et toi, faut arrêter de faire des gosses. Et toi, surtout. Parce que bon. Tu es des gamins, c'est pas... je suis pas trop fan. Et toi, je cherche des indulgences. Un petit coup d'indulgence. Ça servira pas à grand chose. Ça m'emporte de la foi, pourquoi pas. Que je peux lui redemander. Je peux lui redemander le fric que je lui ai filé. Ah, débarque. C'est gratuit. Bukovine. Ça rappelle une marque de restaurant, ça. Non. Elle est chaste, mais elle m'a quand même trompé, hein, catin. Mon meilleur ami a péri à 21 ans. Oh non. Putain, c'est moche. Mon petit-fils, mon meilleur ami a péri, quoi. Ah putain, il a perdu le... Ah. Ça va être lui, hein. Ouais, il faudrait aussi que je fasse un peu mieux la répartition de mes terres. Parce que là, j'ai trop de vassaux. J'ai beaucoup, beaucoup trop de vassaux. Duchesse de Tolède, par exemple la duchesse le mage de Tolède, mais qui, enfin, ah, elle a des terres ici. Duc Élie de Flandre, ouais. Ouais. Attends, quoi? Duc de Murcie? Tu fais pas partie d'un royaume, toi? L'âge du savoir. Ah oui, mon pupille. Oui, tu mérites de connaître le dieu cornu. Il y a un pillage, je peux pas y faire grand chose. On va améliorer ça. Je vais se passer vite fait, y'a rien. Donc je disais... C'est le royaume de Al-Andalus. Je suppose que j'ai pas le royaume de Al-Andalus. Y a pas... Faire une petite garçonne pour un duché là.
Histoire 2. Duché de Séville. Voir, je vais faire ça. On va faire une petite guerre sainte. Ça mange pas de pain. Change de culture. Ah, c'est la culture andalouse. C'est bien ça. Ça, je m'en fous. Toi. Et quelques alliés, mais bon. On s'en fout pour Séville. Tu sais quoi, on va même appeler notre copain. Je crois qu'il y a même pas la même religion. Allez Noémie, va connaître la voix du dieu cornu. D'ailleurs je vais transmettre à encore plus de gens. Du cornu. Mais il y a du monde par là, Adier. Salut. Vous allez bien? Amoré a amélioré son intrigue. C'est un bon petit. Un bon arrière-arrière petit-fils, lui. Hein. Il a quel âge? 10 ans. Il a pas mal de dynasties, pas mal d'intrigues. Pas mal de dynasties en diplomatie, pardon. Pas mal en intrigues. Un petit peu plus en prouesse, ce serait cool, en martialité et... Un peu plus en tout, encore. Ah non mais il va piller loin lui, le salaud. Et vous voulez pas, genre, défendre? Enfin, au bout d'un moment, y a pas que moi, quoi. En plus, c'est même pas mes terres, donc démerdez-vous, quoi. Ok, est-ce que je peux intercepter? Non, il va prendre la merde. Hop, on va... intercepter au retour, par contre. Le siège de Faro, là, tu vois. Tu te crois où, au Faro Ouest? Parce que, je sais pas, peut-être qu'il y a un Faro Est. Ou un Faro Ouest. J'ai pas vu. Voilà, oh là, il voit du monde arriver, là, il est pas serein. Ouh, c'est un bon commandant, lui, hein. Heureusement que j'ai une forte supériorité numérique, parce qu'il est pas dégueu, hein. Notre chevalier a été tué... Oh non... Non, a tué, ouais, c'est bon. J'ai pas fait de bon prisonnier, dommage. Y a pas de baronnie ici, où il y a ici, c'est bon. Par contre, lui, il pille un peu trop, là. Il commence à me saouler, là. Il est où? Il a arrêté de piller, là. Ça, je peux te piller là où il aille alors. Bah. C'est bizarre. Ah, faut un pied là-bas. On va le rattraper lui. Je crois qu'il y a un truc à grenade aussi. Hein. Quelques gros royaumes quand même ici. Hein. Faut se méfier, même eux là, ils sont bien. Oh. Il est toujours aussi en forme, mais j'ai changé de...
serait mort d'ici un an. Je le sais au plus profond de moi, la mort viendra pour moi bientôt. Attends patiemment de m'accueillir. Aïe 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 aïe. 136 ans. J'en aurais 137. Je serais mort d'ici un an. 137 ans. Et le bordel commence. Une amitié avec le roi persan. Ouais, si tu veux, de toute façon, y a bientôt plus des vôtres, les gars. Bon, dans... ah non, c'est la merde. Alors pour le let's play narratif, je sais pas où est-ce que ça va s'arrêter. Je trouve que ça ira pas beaucoup plus loin sur le let's play narratif que là, du coup. Impressionnant, envoyez mes salutations. Ouais. De toute façon. Alors j'espère juste que j'aurai fini ce conflit d'ici là parce que. J'aimerais pas qu'il traîne. Où est-ce que ça en est, mon héritier là? Ma fille a donné naissance à une fille. Ok. Comment je vais t'appeler? Éclair. D'accord. Il aura pillé tout lui. Le prince Wilmot s'est amélioré sa prouesse, ok. Voilà, lui il est pillé au même endroit. Fin des études. Alors. Je ne sais pas qui tu es vraiment, mon petit-fils. T'es raisonnable au niveau de tes stats, mais aïe, un Noémie. Vénérable âge de 64 ans. Fini bourré. Qu'est-ce qu'il fait là? Ah ouais? J'ai vu une pupille qui venait de là. Ok. Ah bah purée, tu viens de loin. Hein. On a parcouru du chemin. Vénérable âge de 136 ans. Tu t'éteindras à 137 ans. Sauf miracle. En même temps, t'as le cancer, mon ami. T'es unijambiste. T'es eunuque. J'aimerais juste transmettre la sorcellerie à lui, mais. Je crois qu'il est trop jeune. Je vais essayer de le transmettre à mon fils alors, pour pouvoir lui transmettre avant de convertir lui. Oula, excommunication mon ami. Désolé. Il va falloir que je fasse le tri. Mais ouais, mais je peux même pas faire le tri dans mon royaume. À cause de tout, pas ça. Bon, le Danemark, je m'en fous. En fait, le mieux, c'est que je reste juste avec les rois. Que tout ce qu'il y a dedans, ça soit sous son égide, mais le problème, c'est que c'est le bordel partout. Quoi. Ouais, sachant que je vais bientôt mourir. Je vais pas lui prendre ses terres, là, certaines de ses terres, là. Il y a une duchesse de machin, une duchesse de quoi, c'est pas vrai ça. Duché de Lombardie, je comprends. Duché de Sens, je comprends pas là déjà.
Ah merde, elle est alliée. Bon. Commençons par autre chose. Duché de Léon. Royaume de Léon plutôt. Le duché d'Astruy et le comté. Ok, d'accord, pourquoi Léon là, j'en sais rien. C'est mon vassal direct lui. Non, duc de Languedoc. Comment ça c'est mon vassal? Oui, attends. Je suis roi d'Aquitaine, c'est ça? À tous les coups, c'est ça. Ouais, je suis roi d'Aquitaine. Je l'accorde à quelqu'un. Il est déjà roi. Je sais pas, quelqu'un de ma dynastie qui a rien. Roi d'Irlande. Roi de Sardaigne. Ouais, tous ceux de ma dynastie sont rois, son modo. Attends, lui, il a rien, lui. Il a quoi? Il a ça, là? Je peux pas accorder un titre, genre roi d'Aquitaine, là? Ah mais après ça risque de foutre la merde dans mon héritage. On va attendre. La justice. Attends quoi, je vote pour. Ah oui. Mais. Ouais. T'as plus rien. Elle a plus de terre. Oh, on en a jamais eu peut-être. C'est possible. Que j'ai des sièges qui réussissent tranquillement. On est en octobre. Il y a un petit comté là, allez hop. Putain. Un autre siège, allez, il en faudrait encore 2-3 là. Pour être sûr. On va donner un coup de main. J'ai l'impression que ça va débarquer. Je m'en fous. Meurtre. Ah ouais. Bon ça ma vassale. Putain c'est ils sont. Ah, je les ai pas vassalisés. Ouais, c'est la vassalisation. J'ai totalement oublié de vassaliser Venise. Mince. Bon, là, ils essaient de leur prendre leur forme, ils auront pas le temps. Six ans, un traître à la cour. Ouais, ma petite fille. 65 ans, ça va, elle est jeune pour une de mes petites filles. Allez, 137 ans! Ouais. Dommage, les 150 ans étaient pas loin, on a failli arriver à l'an 1000.
Ouais, t'es magnifique. Fornicateur, oui, oui. Ça aurait été la toute dernière guerre. C'est un qui puisait. Oula. Alors, on va vite faire ce qu'il faut. Voilà, voilà, on va créer le duché de Séville. C'est où la capitale du duché de Séville? À Séville, tu me diras. Toi, je vais l'accorder à Borel, là, machin. Accorder à des personnes sans terre. Mon petit-fils, non. Parce que lui il pourrait venir en force, Guy Fontaine. Hop, et c'est à toi que reviendra le duché de Séville. Hop là. Et on va vite changer ça. Parce que là, je vais bientôt mourir. C'était quoi, en avril, un truc comme ça? Je sais plus exactement. Ok. Auto-flagellation. Aïe, aïe. Ça va pas faire du bien. Bon. Profitons du beau royaume de France tel qu'il est. Eh ben dis donc. Médecine spirituelle. Ah attends, ça m'intéresse. M'intéresse, peut-être que alors. Peut-être que nous ne sommes pas dans ma dernière année. Quoique ça a l'air de bien puer hein, quand même. Il se passe plus grand chose là d'un coup. Ça va être très compliqué. Ça va être très compliqué la reprise. Ouh là 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 là. Ouh là 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 là. Bon. Allez, je suis en dernière fois. On ne perd que le royaume de Danemark. Même si ça m'embête un peu. Lui sera toujours en vie. Lui, il aura réussi à, enfin, il réussira à toucher un, à être un peu empereur. Mon arrière petit-fils. L'empereur Thiob de France a rendu l'âme. L'âge de 137 ans, il est mort d'un cancer. Homme zélé qui s'est battu pour la gloire de Dieu contre les païens. Dans l'une des plus grandes guerres saintes de l'histoire récente. En Simon sur le trône, un homme mesquin. Qui instille la peur chez ses sujets. Super. Bah super. Aïe. C'est le début des problèmes. Alors on va mettre en pause. On va mettre en pause. Parce que là c'est la merde.
Là, je suis sûr que c'est la merde, mais total. Déjà, mode de vie. Putain, allez. À tout débloquer en intrigue. Oh là 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 là, ouais. Au-delà des limites de masse, au-delà des limites. Oh la vache. Ouais, l'inventaire, bon, déjà, l'inventaire. Défense de sanglier. Guide du pèlerin, ça tu jartes. Tout ce qui peut lui faire gagner de la santé, on jarte. Ah, c'est pas mal ça. Merde, j'ai cliqué comme un con sur les trucs. Ça c'est bon. Ça c'est nul. Ça c'est bien. Ça c'était bon. Et ça c'est bon. Ok. Bon, à tout débloquer. Donc là, on aurait dû mon moins 1000%. Voilà. J'hésite. Je peux retirer là-dessus, je pense. Ah, je peux pas. Ah non, parce que j'ai pas mis, j'ai pas débloqué ça. Non, pas fécondité, un truc. Redoutabilité naturelle, voilà. Il me faut ça. Il me faut ça. On s'est torturé quelqu'un. Ouais, mais ça c'est pas pour... C'était pas tant pour ça pour le reste. Ne perdez pas de plaisir. En cas d'exécution, méchanceté absolue. Impôt de la peur, système carcéral. Tristement célèbre pour toujours. Et torsionnaire. Cadre de stabilité. Même pour l'âge, ça va être. Ah! Vécu est très torsionnaire. Forcément. L'hérité relative et le passé. Pour les complots, tant qu'à faire, exécution rapide. Oh oui. Travail bien fait. Vous pouvez passer ravisseur. Bon. Au-delà des limites de frontières. Pardon? Pourquoi j'ai si peu de propriétés? Enfin, je veux bien que j'en ai moins. Mais 6? Elle est où mon intendance? Limite de domaine plus 1. Oh la vache. Prendre 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ils sont où les 18 autres? Ils sont où les autres pour faire 18 là, les gars? C'est quoi ce bordel? Alors les derniers, j'ai un peu de mal à savoir où est-ce qu'ils sont. Quoi. On va rendre la Bretagne.
à des gens qui m'apprécient pas forcément trop mal. Attends, oula, comment ça? Attends, oula, non, hé. Hey. Pardon. Toi. Cordéa. Bon, alors, on... Attends, j'ai des comptes en Ile-de-France, là? C'est chaud ça. Ah bah oui, forcément. Ah, j'ai le comté de Nantes encore, ouais. Attends, la station à Rouen, toi. Nantes, accordé un. Toi. Trop de duchés. Comment ça, j'ai le duché de Bretagne? Non. Ça lui, accorder des titres, duché. Oh merde. Oh putain, j'ai failli donner le grand montagne. Duché de Bretagne. J'accorde. Accorder des titres, est-ce que je lui accorderai pas aussi le royaume de grande montagne? Ouais, je suis de toute façon c'est la même chose donc. Ça me retire un petit peu du poids. Vous avez cette propriété. Non mais attends. Il y a une couille dans le potage là aussi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je veux bien que j'en ai 9, j'en ai pas 14. Elles sont où, mais elles sont où 13 autres là. Ça ok. Yeux. Bah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bah les mecs, enfin quand même. Enfin, faut savoir compter, non? Peut-être le temps que ça se recalcule, non? Pour moi ça j'ai lu cette Sicile. Ah oui. Oui, mais si, en vrai, forcément, il y avait cette histoire là aussi. L'histoire de. Oh putain, il est stressé en plus. Oh. Histoire qu'il a les territoires par là, lui. Comté de Malte. Et la Malte aussi? Oh, en plus, il a même plus le pape comme... Terrible. Oh, votre vassal, le roi Col. Forme une faction pour l'indépendance contre vous, ça y est, ça pue déjà la merde. Bon. Ça c'est orthodoxe en plus. Non, bon bah tu vas les accorder. On va pas accorder un titre, bah y'a rentre. Quoi? Mais non. Qu'est-ce qu'il a branlé? Qu'est-ce qu'il a branlé? Bon. Bon, allez, file tout ça là, Messiné, on s'en fout. File ça à Maurice là, putain, il faut pas donner. Oui, non, ça c'est normal. Ah, mais attends, ouais, c'est terrible ça. Bon, c'est moins mal. On est combien là? 10 sur 6. Oh là là. C'est terrible. Bon, en héritier, heureusement, j'en ai qu'un. C'est quoi? Et de partir sur un suicide, hein. Moi j'ai envie de vous dire, oh, je peux pas me suicider. Euh.
niveau de les revendications, c'est pas le moment. Duché de Sicile. Duché de quoi? C'est où ça? C'est ça là aussi? Mais file-moi ça, enfin, donne ça, genre, on s'en fout de ça. Sérieux? Duché de machin, ça. Ouais. T'apprendre moi comment il faut faire. Oh putain, moins 38, il m'aime pas déjà, donc. Peut-être pas bien fait de lui filer. Hein. Hop, putain, voilà. Transfert. Non. Ah, déjà, on va modifier ça. Bâtiment désactivé. Parti, il y a votre. Ouais. J'ai oublié de l'influencer, même, tellement il m'aime pas. Bon. Terrible, terrible. Poste vacant, intendant, et allez. Ah, par contre, on a une bonne intendante. Ah, c'est plus le même jeu là. Hein. Mais pourquoi il va une activité en plus, t'as que ça à foutre? Oh là là. Bon, au-delà des limites de domaine, oui. Faction formée contre vous, dissoute. Faction formée contre vous. Oh là 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 là. Oh putain. Ah ouais, non, mais là, ils m'aiment vraiment pas. Oh. Ah oui. Ah ouais, puis ils sont pas un peu mécontents en plus. Hein. Ils sont vraiment. Ils ont la haine. Hein. Ah putain. Et le Gatchob, là, il verrait ça. Ton grand-père. Ton arrière-grand-père, il verrait ça, dit. Il serait pas content. Hein. Mais tu crois vraiment que c'est le moment d'aller se former contre vous? Oh là là, c'est les rois en plus, hein. Mes vassaux, quoi. Oh la vache. Non, mais il faut vraiment que je change, que je chope des vassaux pour mettre là. Chancelier, machin. Un comte. Non, mais il est incontent. Change-moi ça, là. Il me faut un roi. Il me faut, il me faut des gens qui ne m'aiment pas. Toi, là. Non. Parce que toi, t'es... Ouais, non, toi, t'es vraiment trop une merde. Toi. Je vais t'y affecter. Je m'en fous du compte. Toi. Qu'est-ce que c'est nul, Pays de Galles. Putain, il est nul. En érudition. Ouais, mais je peux pas le foutre en érudition. Mais, il est bon que là. En intrigue aussi. Non. Il est bon qu'en érudition ou en... En ça. Non, en fait, vraiment, lui, il n'y a pas besoin. Bon, bah ça. On change par Julien le Beau de Lotharingie. Désolé, mon duc, mais j'ai quelques petits soucis, là, il m'aime pas trop, donc... Au-delà de la limite des frontières. Oh, putain, ça, c'est fou. Tout ça à cause de ça, que je peux pas... Parce que Bayer à rente. Ils peuvent être baillés à rente, aux ordres sacrés religieux, fournir des impôts, lever... Ah mais du coup c'est ça, non? Non, même pas. Je vais révoquer le bail, hein, rien à foutre. Je vais l'accorder à Gilles machin. Hein. Merde. Ça je vais l'accorder à machin truc. Voilà. Sont mes vassaux du coup. Et merde. Ouais, je lui ai révoqué le bail. Mon patriarche, j'espère qu'il va m'aimer petit à petit. Faut vraiment qu'il meure lui. J'aurais dû le tuer avant. Putain, je suis con. T'avais pas moyen de faire une activité risquée là? On va prendre des risques pendant la chasse, mon ami. Hein. J'ai combien de vassaux là? Putain, j'ai trop de vassaux. Oh là là. Je vais déjà transférer un vassal, ça m'en fera de moins. Bah, le pape, moi aussi, je m'attends à. Attends, je peux pas le changer. Arrange-toi avec ton...
Oh non, mais oui, mais non. Parce que du coup, il a pas pu finir son éducation. Ah. Il peut pas se faire éduquer par tant de temps que ça, pas tant de gens que ça, quoi. C'est terrible, penseur déshonorant. Et un bon caractère, toi, s'il te plaît, fais-toi bien voir. Parce que sinon, on est dans la merde. Éduquer un enfant, alors. Juste, ouais, ok. Ça, je peux pas, de toute façon, ça, je peux pas, ok. Ah, j'ai toujours deux domaines en trop, mais c'est parce qu'il est nul aussi, là. J'ai quand même pardonné ça, quoi. Eux, ils vont mal. J'ai bien l'impression, putain, par contre, le nombre de vassaux, toi. Oui, mais attends, comment ça, République? T'es où? T'es qui? Ah ouais, mais c'est tous ceux qui sont là. Ouais, mais je suis obligé de retirer. Je suis en train de réfléchir. Lui, il a combien de d'intendance? Il en faudra un peu plus. On va le laisser comme ça pour l'instant. Quelques ressources de côté. Bon. Oh la vache. Niveau de stress 1 sur 3. Ah oui, non mais il est vraiment stressé lui en plus. Bah vas-y, tu sais quoi, gagne du stress à gogo et suicide-toi. Il donne tout à ton gamin. Non ouais, non, sérieux. Voilà. Terrible en plus. Oh là là. Rembourser le prêt? Non mais. J'ai une dette. Oh putain. Terrible. Ah, nommes sont forts. Un peu d'or, franchement. Les nommes sont forts, moi. Oh la vache, oh, je peux rien lui faire en contrat basilica. Icta? Mais c'est quoi ça? Je connais pas. Je connais pas tout ça. What? T'es vraiment une merde toi quand même. 62 ans. Et t'as pas intérêt à durer aussi longtemps que ton père. Regarde. Mais non, pas santé correcte. Mais comment ça? T'étais malade, t'étais au bout du rouleau. Oh ya 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 ya. Oui, t'es au bout du rouleau, j'aurais dû le faire assassiner. J'aurais dû le faire assassiner. Que quelqu'un mette fin à ses jours, s'il vous plaît. C'est terrible. C'est terrible. C'est terrible. Meurs de stress, s'il te plaît. Et t'as... Putain, j'étais persuadé qu'il était malade à bout à en crever, et là d'un coup il est revenu genre pépère. Oh la vache. Perdre énormément. Non, ça va. Ouais. Royaume de Sardaigne, il y a des morceaux en plein milieu là, c'est terrible. Ah, il y a un empire bancal. On a encore fait une Charlemagne, j'ai l'impression, bientôt.
Ma sœur a péri, ouais. C'est ballot. Bon, cette chasse, elle commence un jour. Pas moyen, genre de... Une petite flèche, là, comme ça, là, pas de bol. Ah, oh, j'ai dérapé sur une flèche, mince. En plus, vraiment, tout le monde le déteste, hein, lui, hein, c'est... Faut que je négocie des alliances, j'ai pas le choix, là. Merde, je suis tellement faible. Allons-y! On va chasser le sanglier là, on espère se faire buter par le sanglier. Le roi de Sardaigne, voilà, on s'allie avec les plus forts, c'est-à-dire tout le monde sauf nous. Voilà. Non ouais, vraiment, excellente nouvelle. Je m'en fous qu'un bourgmestre me voit mal, je préfère que ce soit un bourgmestre plutôt que... un peu tous les autres. Bon, on a deux... Deux alliés. Ça va pas être, ça va pas être un gâteau, ça va pas être du gâteau. Hein. Ouais ouais, gagne du stress toi. Ligne du stress, tire-toi une balle, coupe-toi une jambe, fais ce que tu veux, mais évite de rester en vue, hein. En vie. En te mettant des plus dangereuses. Voilà, voilà, prends des dangers. Blesse-toi, meurs. Enfin, vraiment, putain, la santé correcte. Merde, il a failli. Non, cherche pas à comprendre d'où ça vient, laisse-toi tranquillement faire. Faut vraiment que ton gosse il hérite et rapidement. Probabilité de réussite 80%. Si t'as échoué un truc à 80%, oh là là. Putain, j'ai perdu du stress, dommage. Alors, c'est pas avec lui que je vais aller conquérir les terres, hein. Oh là là, moi je vous le dis. Déjà, si on a gardé le royaume sur l'empire sur pied, c'est déjà une bonne chose, hein, parce que là, oui. En espérant que je n'aurai pas d'héritier, parce que sinon, je suis dans la merde. Et jeune en plus, putain, il y a des risques. Fiancés peuvent se marier. Mon petit-fils. Avec. Fille du prince Guy, c'est qui ça? D'Italie, oui, allez. Une autre alliance. Sauf que là, ça c'est pas ma capitale. Voilà, rentre à la maison. Plus de chemin à faire. Tiens, il y a plus un petit air. Voilà. C'est ballot. Bon, on va se laisser ici pour l'épisode d'aujourd'hui. Hein. Bon, bah, notre dirigeant a rendu l'âme. C'est moins drôle, d'un coup. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vous propose de me retrouver bientôt pour le prochain. C'était Thiob.